Bonjour mes amis. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est quand tu sais que tout va mal et du bitachon en Akadosh Baruch Hu. Rappelle-toi d'Hachem ton père. Il peut t'aider quand, au moment où tu mets Akadosh Baruch Hu dans ton quotidien, dans ta situation, dans ton problème, il y a tout qui s'arrange. Hachem, il peut tout faire. Hachem, il peut tout arranger, quoi que ta situation. Et cette histoire, c'est avec Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, défenseur du Ham Israël. Alors, pour vous situer un petit peu dans l'histoire, le Rav, eh ben, il est né en 1740 et il a quitté ce monde en 1810. Et un chassid du Rav, il est venu le voir et lui dire: Rav, je ne sais pas comment faire. C'était quelqu'un de très riche, de puissant. Il a tout perdu. Rav, j'ai tout perdu, tous mes biens, j'ai beaucoup de dettes, je ne sais pas comment faire. T'inquiète pas, mon fils, tzadik, je te bénir avec l'aide d'Hachem, tout ira bien. Achète un ticket de loto, tu seras le grand gagnant. Rav, il savait que les prières du Rav, ça monte chez Akadosh Baruch Hu sans escale, directement. D'ailleurs, la particularité de Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, c'était défendre le Ham Israël. Celui qui défend le Ham Israël, celui qui défend son prochain, celui qui défend la Torah. Hachem, il sera le premier à te défendre. Hachem va te faire des miracles dans ta vie. Et d'ailleurs, Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, combien il y a des histoires, combien il y a des miracles, combien il aidait le Ham Israël, comment, pourquoi? Parce qu'il défendait le Ham Israël. Et aussi, il savait argumenter. Quand il demandait quelque chose à Hachem, le Rav, c'était avec des bons arguments. T'as besoin de trouver ton mazal, t'as besoin d'avoir des enfants. T'as besoin de trouver un travail où tu vas être heureux. T'as besoin d'être heureux dans ta vie. T'as besoin de quoi que ce soit de bien dans ta vie. Et quand tu demandes, c'est pas juste. Il faut pas juste demander: Hachem, j'ai envie de devenir un tzaddik. Hachem, je veux une bonne santé. Non! Il faut que tu donnes des arguments. Hachem, il veut des arguments. C'est encore plus poignant. T'argumentes ta prière. C'est important. Et le chassid lui dit: merci Rav, merci l'un d'insister. Mais vous savez que je dois marier ma fille et cette loterie, et bah, le loto, bah, c'est dans quelques mois, c'est pas maintenant. Comment je vais faire pour marier ma fille? J'ai besoin de délivrance maintenant. Et aussi plus tard, avec cette loterie, ça m'arrange, mais j'ai aussi besoin maintenant. Il lui dit: ne t'inquiète pas, fais ce que je te dis, tu vas avoir ta délivrance avant même cette loterie. Et aussi, à la loterie, ce sera toi le gagnant. Il sort, il remercie Hachem, merci Rav, il sort confiant. En chemin, il va passer la nuit dans une auberge. Et dans cette auberge-là, il passe la nuit. Mais il faut savoir qu'il y avait un ministre. Il y avait un grand ministre avec son serviteur dans cette auberge. Et la nuit tombe. Et le ministre, il s'endort. Et il fait un rêve. Et dans son rêve, il rêve qu'il y a un juif dans l'auberge. Et qu'il va échanger, parce que le ministre aussi, il avait le ticket de loto, apparemment c'était à la mode à cette époque-là, et il va échanger avec lui, et qu'en échangeant avec le chassid de ticket de loto, et bah, c'est le ministre qui va être le grand gagnant. Il se réveille, il dit: c'était bizarre ce rêve, tac, 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 il se rendort, il refait le même rêve. Encore il réchange ce ticket, et c'est lui le grand gagnant, le ministre. Il se réveille cette fois-ci. La deuxième fois, il dit à son serviteur: écoute, tu vas faire une enquête. Il y a un juif dans cette auberge. Il a un ticket de loto. Il faut que j'échange absolument avec lui. C'est ce qu'il fait. Il revient justement avec le. Il a trouvé ce juif-là. Il lui a demandé de venir. Le ministre, il veut le voir. Il veut lui parler. Il vient. Et le ministre, il dit au chassid: je sais que tu as un ticket de loto. Il lui dit: oui, c'est vrai. Oui, j'avoue. J'avoue, j'ai un ticket de loto. Et. Échange-le-moi. Je suis prêt à te donner des pièces d'or. Et à l'époque, des pièces d'or, on ne trouve pas comme ça à tous les coins de rue. Et en plus, ça pouvait l'arranger dans cette situation où il devait marier sa fille assez rapidement. Et il lui dit: pas question. Parce que lui, dans sa tête, il a la bracha du Rav. Akadosh Baruch Hu, il a intervenu déjà dans sa vie, dans son problème. Et que son ticket, c'est sûr qu'il est gagnant. Comprenez mes amis, quand vous lisez l'histoire de Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, vous comprenez qu'il n'y a que des miracles dans ces histoires. Qu'Akadosh Baruch Hu, il intercède à toutes les demandes de Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev. Alors, nous, ça nous donne envie de prier par son mérite à Akadosh Baruch Hu. Mais t'imagines une personne qui a reçu sa bracha directement, quelqu'un
qui a vécu dans son époque, qui voyait toutes les personnes qui témoignaient de ces miracles. Pour lui, ça y est, le ticket, il est gagnant. Il lui dit, même pas en rêve, j'échange. Il lui dit, bah justement, en parlant de rêve, le ministre lui a dit, je suis prêt à te donner 1000 pièces d'or. 1000 pièces d'or. Wow, ça, là, c'est un autre degré, 1000 pièces d'or, il peut marier sa fille tranquillement. Sa fille, tranquillement. L'orchestre, le DJ, tout le monde. La situation, elle est arrangée. Et il lui dit pas question, parce que lui, dans sa tête, vaut mieux avoir 1 million de pièces d'or que 1000 pièces d'or. Ah ouais, je vais attendre encore quelques mois et je vais avoir 1 million de pièces pour lui. Il était persuadé qu'il avait le ticket gagnant. Le ministre lui a pas laissé le choix, les frérots. Et il a dit à son serviteur, il est en colère un petit peu, il a redonné à son serviteur de lui prendre le ticket. Donc le chassid, là, il était obligé de lui donner. Et le ministre lui dit, écoute, je suis pas un voleur. Donc je vais te donner tout de même mon ticket et les 1000 pièces d'or. Merci, au revoir. Et maintenant dans sa tête, c'était Akol et Tova. Tout est pour le bien. Et mes amis, quand vous dites ça dans n'importe quelle situation, t'es en train de vivre une épreuve, c'est difficile, ce que tu veux. Au moment où tu te dis Akol et Tova, tout est pour le bien, tu fais rentrer, t'es en train d'utiliser ton bitachon envers Hachem. Et là tu fais rentrer Hachem dans ta photo. Tu fais rentrer Hachem dans ta journée, dans ta situation. Akol et Tova, au moment où tu te dis, tu commences à chanter, Altira, il m'a pris le ticket, Altira Israël, Altira, Kigur Arielohata. Hachem, il t'entend chanter, il te dit, mon fils, il chante alors qu'il est dans l'épreuve, je vais l'aider, je lui tends la main. Hachem, il rentre dans la photo, il rentre dans ta situation, au moment où tu chantes, tu le remercies, tu dis Akol et Tova, tu utilises ton bitachon. Et voilà qu'avec les 1000 pièces d'or, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va marier sa fille. Il était heureux, content, avec ses 1000 pièces d'or, orchestre, DJ, tout, comme je vous l'ai dit. Traiteur, la fille, elle va mettre la robe pronovias, tout va bien, Baruch HaShem. Et voilà que quelques mois plus tard, la grande loterie, qui va gagner, attention, attention, et le grand gagnant est le Chassid. Ah, le Chassid, il a gagné! C'est le ministre, il a échangé le bon ticket avec le Chassid. Et le Chassid, non seulement il a gagné le grand lot, mais en plus, il avait les 1000 pièces d'or. Non seulement, il a eu deux délivrances, une immédiate et une quelques mois plus tard pour réparer tous ses problèmes, ses dettes, etc. Il est parti voir le Rabbi Lévi Tzrek de Berditchev. Il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous êtes Rav, expliquez-moi. Il arrive chez le Rav. Le Rav, tout de suite, il lui dit, Tzadik, avant même qu'il parle, le Rav, il lui dit, quand t'es venu me voir, j'ai vu que t'avais pas un très bon mazal. Que si t'avais acheté ce ticket de loto, t'avais pas le bon. J'ai dû prier, j'ai dû demander. Et quand il a prié à Kadosh Baruch Hu, Rabbi Lévi Tzrek de Berditchev, il a béni. Et après, il va intercéder en sa faveur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au maître des rêves d'aller prier à Kadosh Baruch Hu pour intercéder en ta faveur. Et c'est ce qui s'est passé. Hachem, il a accepté. Et le maître des rêves, il a fait en sorte que toute l'histoire qu'on vient de raconter, que le ministre, il va rêver, qu'il doit échanger avec un juif qui est dans l'auberge, et pour finalement, en fait, lui donner le bon ticket. C'est incroyable. Au moment... Regardez déjà la bracha, les brachot, et comment il défendait le Am Israël, comment il arrivait, le rêve. Il arrivait à arranger les problèmes de tout le Am Israël à défendre et en priant à Kadosh Baruch Hu avec des bons arguments. Vous savez que le bitachon, c'est ça qui peut vous sauver dans votre vie. Regardez Rida. Le Rida, il dit que le mot déaga, qui veut dire inquiétude, déaga, dalet, alef, gimel, he. C'est les cinq, font en référence aux cinq premières lettres de l'alphabet à une lettre près, il n'y a pas le bête. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Dans Dehaga, il manque juste le Bet. C'est le Bet de Bitachon, de la confiance en Dieu. Au moment, c'est-à-dire que quand tu es dans l'inquiétude, c'est que ton Bitachon en Akadosh Baruch Hu, ta confiance en Dieu, elle est pas au max. Au moment où tu as du Bitachon dans ta vie, l'inquiétude, elle disparaît, il dit le Chida. C'est extraordinaire. Alors, vous savez quoi faire? Utilisez votre Bitachon envers Akadosh Baruch Hu quand ça va pas. Vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez avoir des miracles dans votre vie. Et Bezrat Hashem, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Razak.